tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité encourue par l'agent immobilier du fait de l'opposabilité du DPE. Et maintenant, tout d'abord, avant d'aborder ces sujets, comme d'habitude, le générique. Donc, la lutte contre les logements énergivores et les passoires thermiques est plus que jamais au cœur de l'actualité du marché de l'immobilier au vu des événements climatiques que nous rencontrons. Habituellement associés aux difficultés de chauffage, ces logements sont pareillement impactés par les épisodes de canicule. Afin de lutter contre ces logements énergivores, le gouvernement a rendu obligatoire la réalisation d'un DPE, lequel doit être annexé à tout acte de vente immobilière et de bail à usage d'habitation. Ces diagnostics de performance énergétique que l'on appelle DPE sont valables pour une durée de 10 ans, sous réserve de ceux effectués avant le 1er juillet 2021, dont la date de validité est ainsi fixée. Diagnostic réalisé entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2017, ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, valables jusqu'au 30 décembre 2024. Donc, en matière de location et de vente d'immeubles bâtis, la loi du 22 août 2021 modifie les articles du Code de la construction et de l'habitation en restreignant le champ de l'inopposabilité du DPE aux seules recommandations accompagnant ce dernier. Ainsi, le diagnostic de performance énergétique devient directement opposable aux propriétaires, bailleurs ou vendeurs, ce qui va rappeler certains souvenirs à certains. Concrètement, cette modification impacte directement les conséquences d'une information erronée au sein d'un DPE. En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, les informations contenues au sein du DPE n'étaient pas opposables par le locataire ou l'acquéreur du bien concerné. Et oui, maintenant, si la responsabilité premièrement engagée en matière de DPE erronée est celle du diagnostiqueur, il n'en demeure pas moins que l'agent immobilier intervenant dans l'opération est également susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de son devoir de conseil et d'information, chose que beaucoup de monde a tendance à oublier. Donc tel est le cas notamment lorsque le DPE est absent du contrat, et oui, du compromis de vente, de la promesse de vente, bail et même lors de la visite, la première visite, il doit être là. Donc voilà, je pense avoir été clair et vous avoir informé loyalement en toute transparence. Donc n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit du vendeur et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé en temps réel. Et n'hésitez pas à liker. À très bientôt et au plaisir.